Bientôt, le retour de l'actuel patron des forces spéciales, Spartacus. Baba est le numéro 2. Rivalité au sein du groupe. Parce que tout ce qui était argent, c'était Baba. Le retour de Spartacus, qui est le numéro 1 des forces spéciales, ça ne plaît pas du tout à Baba. Ça ne lui plaît pas du tout. Moubarak Diffé Falaoubé. Ce qui a été pris dans le sang, dans le mensonge, ça va toujours mal se terminer. Parce que Wayem Biri, il n'y a pas ce qu'on ne vous a pas dit ici. C'est d'autres que vous avez enlevés. Les Alia, les Michel et tant d'autres que vous avez enlevés. Vous ne serez jamais d'accord entre vous. Ce qui a été fondé dans le mensonge, ça va toujours à Boulamane. À Boulamane devant tout le monde. On attend ça au Rougne. À Boulamane. Voilà, Baba, vous saviez, je vous avais informé sur les armes qu'on mettait en dette. Tu as vérifié, tu as compris que ce que Damoro a dit, les éléments des forces spéciales sont malheureux. D'ici la fin du mois, ils n'ont rien. C'est Semeira. Beaucoup parmi eux, Drogbara et Kana. D'autres même sont en formation. Actuellement à Kindia, Nabil Nkolo, Awa Baba, la dernière fois, je vous ai lancé le défi et vous avez cherché à vérifier. Effectivement, vous saviez, Negibébé, Nunayama, Awa, actuellement, les mêmes éléments, parce qu'ils ne sont plus à Conakry. C'est des mototaxis. Celui qui est le commandant dans ce centre de formation à Kindia, les motos qui viennent là, les motos qui viennent, ils viennent avec la drogue pour les éléments des forces spéciales. Commencez à arrêter les motards là qui viennent les voir parce qu'ils savent que non, ils ne peuvent pas introduire la drogue là-bas. Je vous donne encore l'information, vérifiez. Baba. Appelle encore tes éléments. C'est-à-dire, à chaque approche, nous sommes le 19. Ils ont commencé encore à faire la même chose. Ils ont commencé à faire la même chose. Et Rafinkari, et Tongo, et Sigasa. Dette-moi. Ils sont nombreux dedans. Et bébé, ça, je parle de ça pour prouver. Combien de fois, même les gens pensent que force spéciale, voilà, ils sont heureux, adé. On envoie des étrangers. N'est-ce pas, femme en a qui légionnaire. Leur salaire, ça ne retarde même pas. Nanara, n'a pas d'un obirifor. Bon, kuna kanafé, non? Les légionnaires, n'est-ce pas, yatisika kanka, aïk bébé. N'est-ce pas, maxar naki. La majorité, et pire, $5,000. Prime Mayamago, Obirakolo. Prime Naranfima. Prime Naranfima et Tama. En Guinée, Emma Sotofeu, dans le mois, c'est plus de 7,000. Vous prenez vos fusils. Aura armé Tongo. Osiga sa dette. Parce que, Oa ma drogue m'y fait. Même drogue cobri, Namouira. On dit, c'est vous qui êtes derrière Mamadi Doumbouya. Mais chaque fin du mois, Otana aura fin carré de ma dette. Eh, Allah. Omakolo Yagina Naki. Omakolo Yagina Naki. Baba, tu as vérifié, tu as vu. Moutamoule Falama, Nanara m'aura service de renseignement à Sembekbo. Mounou Naga Yo Fala.
Moutama a inventé ma mouama Wayenfe. Mais ce qui fait pitié, c'est la Guinée qui fait pitié. Parce que lorsque on paye des gens dans l'armée, et Tamouna fait faux drogue, mais fait drogue sur drogue, comment on peut prendre les armes et se garder aux dettes, drogue matière, dans un pays sérieux? Hein? Au moins que le Namakini-Kini, mettez le cœur. Au moins que le Namakini-Kini, la République de Guinée. Il faut lancer encore le défi. Il faut les demander encore. Et bring de répondre avec leurs armes. Baba Bari, de répondre avec leurs armes. J'ai dit, je ne vous aime pas. Obiri, Ora Sesemura Famade. Mais le fait que tu les corriges dans l'affaire de drogue, Nathan, je te soutiens là-bas. Parce que dans le passé, deux éléments des forces spéciales ont tiré sur des innocents. Nagaraba Sangoya, Nagaraba Koyabriki, tout le monde est témoin de ça. Ça, c'est l'effet de la drogue. Sinon, Otagimene, Kawa Okaobur Mabumene, Namu Mutanga Kira. Mais c'est une honte pour la République que des gens qu'on monte devant le monde entier, que des gardes de Mamadi. Il n'y a pas plus malheureux que ces gens. Il n'y a pas plus malheureux. Toi, le maudit qu'Alpha Mané. Nous sommes en Guinée. Il n'y a pas de Mané. Hein? Tu peux fermer ta gueule dans ce live-là. Tu peux fermer ta gueule. Moi, je m'adresse aux Guinéens. Mais je ne m'adresse pas aux moutons, aux mbous. Voilà. Mettez le cœur. Vous pensez que vos têtes de mort, là, vous pouvez éteindre le live du général 5 étoiles? Non. Demandez Baba. La dernière fois, lorsque j'ai lancé le défi, combien parmi eux ont eu des problèmes? C'est le général 5 étoiles. Mouta n'a information, mon affi, mon défi m'a lancé. Demandez combien de fois. Tu entends les éléments des forces spéciales. Eh, mounou Damaro Sougou, moura doumane, moura rimane. Poro. Faut en finir au chef radi. Faut en finir au chef radi. Maintenant, au compte fait n'a aura drogue mi feta ou en débarra. Hein? Ou en débarra. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux aujourd'hui. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Voilà, attendez. Il y a des Dougoulas ici. Vous pensez que ma nouvelle page là, je vais vous laisser ici. No bani mané bema. Je vais vous bannir sur cette page encore. Continuez. Mettez le commentaire bidon. Je vais vous bannir ici. Continuez. C'est maudit là. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Baba, comme je te l'ai dit la dernière fois, il n'a rien à voir. Nera. Il résultate au Renaka et Mato. Vous allez vous fatiguer pour chercher à savoir qui des informations FIMA d'Amarotama à Otoro Mamène. Otoro Mamène, au Contofli Mamène. Vous êtes tous des malheureux. Regardez comment vous êtes aujourd'hui. C'est des Esigama Fote Nantongode Ene Sarefi. Odora, vous avez vu l'attaque de la maison centrale, le carrefour de Donka. Commando et Naransare, Obure Fari, la force spéciale, on a blindé quoi. Et vous êtes mortel. Vous êtes mortel. Otayate à Kolo. Que chaque jour, au garo. Parce que Mere Famane. Oh là, il Famane. Oh, de Romaine, hein? Oh, de Romaine. Ne venez pas du côté du peuple. Oh, de Romaine. Kamena. Hé, Keke Fanamene. Asseyez-vous. Vous savez, vous pensez que non, vous êtes fort. Mais la personne qui va venir sur vous, Ima Kolo, Fafi, Kiyoki. Vous êtes visible. Et ta moto fait. Étant au étudié mané, et nous prêtons, et ça mané, boum, au tagimène, au bara faga fou. Je vous dis, wallahi, on nous faga mamadi d'oumbouya faga, au bara faga, à l'autoré. Mengemara, il n'a jamais été voté. Moura constitution en Guinée. Il n'est jamais l'élu du peuple. Jamais l'élu du peuple. À
Arabama na Obirin Horbi. Ne faites pas, hein? Ne faites pas la part des choses. Asseyez-vous, flanquez-vous là-bas. Conan et Mamadi, c'est rentré, c'est sorti. Vous voyez combien de fois vous êtes malheureux. Le vin de Jacques Semoui, vos poches sont vides. Vos poches sont trouées. Ok, Amato. Regardez les éléments des forces spéciales au temps du président Fakonde. Ineto, Etofan, Enaklimbouma. Vous étiez à l'aise. Souci au moment. Contreflu au moment. Vous étiez tranquille. C'est en cas d'intervention que autant minimane. Mais regardez tout. Qu'on a un garde présidentiel. Il n'y a pas plus malheureux que vous aujourd'hui. Force spéciale. Plus malheureux. Et parmi vous, il y a des gens qui sont sélectionnés. Abrinabamanebe. Andeyatbara station ti Furkaria Brikimene. Il y a d'autres qui ont construit des stations. Villa Nandeira. Okumamen, Oura patron, prime. On les donne les primes. Et bouffement au dehors meni. Comment que l'aura fait ma kini kini? Hein? On donne des milliards. Mais aura patron et birido. Mais l'aura n'aura kuni boula ma l'aura n'aura autant fini ma salakera. On n'aura n'aura ou pas fini toraira. Torai. Torai. Parce que Mamadi a mengé n'en barre. Élection n'en barre. On n'aura Mamadi a fait wallah ou pas alu torai. On n'en a sa maouni. Mengé. En débarre. On aura la dorme en idée. On a fait l'aventure, on a fait battre à Badé. On a fait un peu de rabade. 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 On a fait un peu de tous ces groupements et Birunana. Mais aujourd'hui, on a détruit tous ces groupements. On a fait un peu de rabade. Allons seulement. Et l'armée, encore une information. Mais les gens là n'ont rien compris. Hein? Même si vous voulez, même les paires de ciseaux là, ciseaux, ne laissez pas dans les camps militaires. Ou à Biritongo, prenez tout. Mais ce qui reste clair, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur Dieu décide, rien ne peut arrêter. Quand Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala décide, rien ne peut arrêter. Vous n'avez pas vu le président Alpha Condé, il n'a jamais vu venir le coup d'État. Il n'a jamais pensé que Mamadi Doumbouya, quelqu'un à qui il avait confiance, pouvait lui trahir. Il n'a jamais pensé que Namori, quelqu'un que lui il a nommé par confiance, le chef d'État-major, qui a juré sur le Coran devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant le bon Dieu, qu'il n'allait pas lui trahir. Le président Alpha Condé n'a pas vu venir. On lui a réveillé un dimanche matin. Ils l'ont destitué. Mais, Doumbouya, toi tu penses que toi, tu es plus malin que tout le monde? Vous pensez que vous êtes malin? C'est Dieu qui décide. Alors on allie. N'allorez, n'allie. Vous n'allez jamais voir ça. Jamais voir ça. Mais, c'est ça votre interprétation. Parce qu'en tant que Allah, Fendena, Imatouma, ça ne veut pas dire que le mal qu'on a à la nana narabar, fala fe, mourabira na fora, non. Mara nana fala obe. Mire, tu dois te battre. Hein, irera heri soto. Imu dogoma pangre, isani croisé, ira fala Allah, jamais. Imunatanabam. J'ai dit devant tout le monde ici. J'ai dit si Mamadi a reçu. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Le Saint-Coran, que Allah sosobara wa la jamana jamana koran, Allah de masajou d'alouma. Na figi yanoubo, borio kwi. Flankafo yanoubo. Signo ya gere noubo, borio. Allah birinso mouyira, yenana. On a l'eau. On a tout en Guinée. La terre est riche. Terre cultivable na yideyo. Khemana na febiri. Mais signo ya gere. Cette histoire d'ethnie, peul malin qui se sous-forestier. Dieu nous dessine, nous ne sommes pas reconnaissants, on est ingrat envers lui. Il y a d'autres même qui ont lu Fatia pour faire partie le président Fakonde. Dieu a exaucé le vœu de toutes ces personnes-là. Mais ils n'ont jamais dit, ah Dieu, fais ce qui est bon pour nous. Ils ont juste dit, Dieu,
de maudire ces gens-là, de les enlever. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. On dit Allah, il est omniscient et omnipotent. Donc, il voit tout. Naram Fama a dit un colon. C'est quand il a enlevé le président Alpha Condé que certains se sont rendus compte de son importance. Donc, Mamadi, quoi que tu fasses, même les paires de ciseaux, je dis, ne laissez pas avec les militaires, ramassez tout. Parce qu'ils ont commencé aujourd'hui, même les petits kalaches, tellement que la peur au ventre, ils savent que non, le 31 décembre, c'est le peuple qui va vous faire partir. C'est le peuple, ne vous fatiguez même pas. Si vous voulez désarmer les militaires, mais une fois que le peuple sort, vous allez tirer tout la Guinée, vous allez nous tuer tous, c'est ce que vous n'avez pas pensé. Si vous pensez que oui, aujourd'hui vous avez rendu l'armée guinéenne comme des bébés qu'on prend à les mettre dans les garderies là. Parce que c'est le non seulement militaire qu'ils ont. Ils n'ont rien aujourd'hui. Même les formations aujourd'hui, depuis l'arrivée de Doumbouya, il y a quelle formation du côté de l'armée? Toutes les formations, les recrutements, c'est les forces spéciales. Donc, maman dit, à lui perdre le ciseau, il n'a tout aidé. Il y a bêta. Mais à l'ombre, c'est là. Tu as vu l'armée, le jour du coup d'État, l'armée guinéenne n'était pas dedans. Maman dit, c'est toi seul qu'on a armé, qu'on a tout donné. Maman dit, wallah, il a fait boiteau école. On ne va même pas cacher ça, maman dit. C'est quand le peuple va sortir. Tu penses que les gens là, c'est des maudits? Tu penses que les éléments des forces spéciales là, c'est des maudits? Ils vont tirer sur la population à cause de toi. Et pourtant, tu l'as dit devant tout le monde ici, maman dit. Tu l'as dit devant tout le monde. Quand on t'a dit, mais ce n'est pas le président Fakonde qui t'a donné, maman dit, la vidéo existe, on va jouer encore. Maman dit, hé, hey, Boda Tiburo, toutes tes chances, tu les as perdues. Si tu penses que toi, tu es le plus béni. Quand la population va sortir, maman dit, j'ai dit, c'est tes éléments même qui vont t'attacher, maman dit, fouille-t'en à ça là. Même tes maudits de légionnaires qui sont derrière toi là, ils vont tous partir. Ils n'ont qu'à tirer sur la population. Ces maudits de légionnaires qui sont venus là, ils n'ont qu'à tirer sur la population. Et t'as qu'un Ibek Nekro, tu l'as dit devant tout le monde. On t'a dit, mais c'est pas le président Fakonde qui a fait. Toi, tu penses que ces gens-là, c'est des maudits, ils vont tirer sur leurs parents, ils vont tirer sur les Guinéens. C'est toi qui vas fuir. C'est toi qui vas partir. Mais la Guinée va rester, maman dit. Fouitena au sala, amra au fouignana fou. Nakadienye, nakadienye, fin fin. Aline, fitine, il ne faut pas laisser dans les camps militaires. Et ton départ ne viendra pas de ça là. Si c'était ça, l'armée depuis longtemps, ils allaient répondre. Mais je te dis, maman dit, tu vas partir de la plus mauvaise des manières. Tu vas partir de la plus mauvaise des manières. Maman dit, fouille dans ça là. Déjà, c'est devant tout le monde. En climat bécalon. En climat bé, tous les hommes conscients. C'est toi qui penses que non, tu es fort. Regarde partout où tu marches. Ibrahim Traoré, tout le monde a vu. La fête de Tabaski, Ibrahim Traoré. Malgré qu'on dit il y a des mutineries dans les casernes. On dit non, il y a dans telle région, ça ne va pas. Malgré tout ça, ces bruits. Malgré tous ces bruits-là. Ibrahim Traoré, il vient à la prière. Il ne se met pas devant les rangs. C'est-à-dire, il vient de façon en civil. Ses gardes du corps viennent en civil, Mamadi. Quelqu'un qui a la conscience tranquille, c'est Ibrahim Traoré. Parmi tous les putschistes, celui qui a la conscience tranquille, c'est lui. Parce qu'il s'est dit, voilà, le peuple est toujours là d'abord. Donc, si toi, tu penses que non, tu es malin, que tu vas détruire, tu as déjà détruit cette armée, tu as détruit Soronkone, tu as détruit Gir. Même les éléments, les Guinéens qui sont derrière toi, tes petits des forces spéciales là, aujourd'hui, tu as peur de leur donner les armes aujourd'hui. Regardez derrière Mamadi. Ceux qui sont bien armés là, c'est les légionnaires, parce qu'ils savent que ce n'est pas des Guinéens. Pour lui, dans la tête, ils ne vont pas lui trahir. Mais il n'a rien compris, Mamadi. Tu as dit que tu as fait ton putsch pour le peuple. C'est le même peuple. Tu as oublié. Vous étiez à Bambeto. Tu as oublié tout ça. Tu priais à la mosquée de Bambeto. Tu as oublié tout ça, Mamadi. Quand on dit l'ingrat fait exprès, c'est ça. Vous avez oublié tous ces beaux moments-là. Les parades à Bambeto, tu as oublié, Mamadi. Tu as oublié tout ça. Et Mamadi, tu n'as rien compris. Mbrafou, il y a encore tena pénible. Tu vas dépenser, tu vas donner l'argent, les gens vont bouffer ton argent. Maman dit, tout le plan que tu as. On dit, l'homme propose, Dieu dispose.
Itali kela. Me alata masabata. Ambe walale. Andy Faki qui dit que pourquoi je change mon compte. Je vous ai dit, moi je n'ai jamais boosté mes pages. Et face au CNRD, il faut avoir beaucoup de pages. J'ai ma Guinée d'abord, j'ai ma Guinée 224, j'ai ma page qui est là aussi, le général 5 étoiles, je vous ai dit de vous abonner. À tout moment, on peut signaler. Vous savez, ils sont assis, même quand je mets des postes, ces gens-là, attendez. Vous avez vu, vous voyez les trucs de Facebook qu'on a remis mes posts. Il y a une équipe spéciale qui est assise. Moi, toutes mes vidéos, malgré qu'ils signalent, ils ne peuvent rien. J'avais mis deux vidéos. Regardez, Facebook avait enlevé ces vidéos-là. J'étais obligé de contester. Les vidéos, ils ont remis les vidéos. Vous voyez qu'ils ont remis mes vidéos. Parce que je les ai dit, mes vidéos, c'est purement politique. Et je n'insiste pas à la violence. Ce que je dis, je me bats pour la démocratie dans mon pays. Je dis, il y a des putschistes, il y a des bandits qui ont pris le pays en otage. Et mon combat, c'est ça. Ils ont vérifié, ils ont examiné les vidéos, ils ont remis. Donc, c'est pourquoi je crée, c'est-à-dire ces pages-là, je change pour que les gens puissent connaître ces pages-là. Si je perds une page, j'ai déjà, je suis encore en place. Ils ne peuvent pas me faire taire. Ils ont tout fait. Ils ont créé des problèmes à mes pages. Tout. Mais malgré tout, on est là. Donc, c'est à vous de vous abonner. Moi, je ne force personne de s'abonner parce que je ne dis jamais même, voilà, si ce n'est pas mes fidèles, je ne dis jamais à quelqu'un, abonnez-vous à ma page. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne le suit même pas. Si quelqu'un ne dit pas quelque chose d'intéressant, ne le suivez même pas. Ou à bloquer. Il y a des pages, je bloque. Je ne veux même pas voir les notifications. Bon. Je tiens à remercier le Kountigui du Fouta aussi. Qui a répondu à l'appel des organisateurs. Mais vous avez vu, vous avez écouté le discours de ce monsieur. Vous avez écouté. Et quand on, Mohamed Fatou Doucouré, et quand on m'a fait, alors qu'on y a quand même des menus, n'est-ce pas là à l'ouf, sera comme un bali menu. Mbeo le fwa nyele. Mwa danga miya yiko onyo zite niko. Alu mima yisulo. Alu bla kuro minu uri sanyini. Neta ijabila kwa. Alu mima yisulo. Nete mbla laife. Ae lako ae amarako semina Tijo. Quand vous regardez Tijo la. Quel est le pays sérieux qui peut nommer des gens comme les Tijo? Il était au service de renseignement. Vous savez quel dégât les Tijo ont fait là-bas? Votre vaurien de Amara, ce vaurien de Amara là, depuis qu'il est là, vous voyez les maisons qu'il entraîne. Il a acheté la maison du jeune à Bessiapor, près de 2 millions de dollars. La cour qui est à côté, 800 000. Amara a pris cet argent où? À l'oudanga demi-nouni, à peu près la kaïkouma. Diamana est mini bi, courant est mini. À l'oufis de l'homme palimino. Ma foi, il y a un gosse. Saraka, ça dit, à l'oufraka domna menouni, à l'ounete kire. Des idiots comme vous là. Vous ne voyez pas le pays? Vous ne voyez pas le pays? Depuis que Mamadi est venu, chaque année, on choisissait une ville pour la fête de l'indépendance. Ça fait trois fêtes. Ils ont pu faire quoi? Pour quelle préfecture? Aloudanga Demenouni. Ça fait 19 200 personnes qu'ils ont mis à la retraite. Ils ont pris combien de personnes? Aloudanga Demenouni. Aloumi Maïsoulon. Atoufra Aloumou Mayan Ko Rebelli Ko Mabanana Boula Asinta. Il y a un mot qui est là. L'ongrin. Adoma Boterela. Ou bon, moi, je suis là. Aucun président ne fait qu'on l'éleque. Amara lui-même, il a été nommé directeur de l'école militaire. Aïna Bafouyela. Aïna Tchogoroyela.
ministre Diorbon connaît Kaoulo, président de l'Assemblée, Alou Fissrilom, Balimino. Vous pensez que moi je suis comme vous? Je vous ai dit, vous, votre combat communautaire régionaliste, là, moi je ne suis pas dedans, moi je parle de la Guinée. Mais s'il faut vous répondre, je sais comment vous répondre. S'il faut vous répondre, là, Nekalonga Tay Djabila Nyamim. Regardez-moi des malades comme ça, là. Un peu seulement des histoires. Comment Bramo? Les Tidjouan, un pays sérieux. Tidjou a escroqué combien de personnes? Des gens comme ça, à cause, ce sont eux qui sont là, qui gèrent le pays. Ah non, mais franchement, la Guinée est tombée bas, quoi. Entre Douabe et Ouara. Aujourd'hui, le monde est un gros village. Ali Moumakara, même si quelqu'un n'a pas étudié aujourd'hui, là, avec les nouvelles technologies, tu dois être cultivé. Tu dois être jaloux. Vois la Côte d'Ivoire. Vois le Mali. Ali Man Nanzara Kranke. Il dit c'est Karana. Aujourd'hui, il n'y a pas de bébé. Il dit c'est Kakoulon. Ali Mawa école là. Ah, il a quoi? Ça veut dire que si tu ne comprends pas l'anglais ou bien tu ne comprends pas le français, ça veut dire que non, qu'on hankrimatie. Hankrima les payer. Non, il faut les répondre, ces idiots-là. Hankri 2 minutes, il faut qu'on l'utabile. Parce que c'est des gens qui ne veulent rien comprendre. Ils pensent que non, ils vont continuer à endormir les gens. Mouminou Makara. Tous les chantiers qui sont là, là. Mamadi a descré Mabo à Djoufaro. Il est venu trouver que le président Fakonde a tout signé à paix. Mais dites-le, pourquoi Mamadi. Il a parlé du développement. Pourquoi lui-même, il ne lance pas ses grands projets? Aujourd'hui, ils n'ont rien. Les 1 000 milliards dont je vous parlais là, qui sont en train de chercher auprès des banques aujourd'hui, personne. La dette aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars! Près de 20 000 milliards de nos... 20 000 milliards! Qui va payer ça? C'est maintenant là, il veut encore crédit, prendre de l'argent, quand il va lancer des chantiers, on va dire, Mamadi travaille. Hé, Mamadi! Tu ne peux pas être ces billes, être ces signes. Les Guinéens sont fatigués. Faut foutre le camp. C'est ce qu'on te demande. Et des idiots comme ça, là, Hankil Dolou. Après là, ils sont tellement. Ça dit, leur cœur est noir. Leur cœur est noir. Vous-même, vous êtes ethno. Vous voulez parler des autres. Alou Teto ou Fébé, après la Kona, Koflaou Kenta. Il est Moukela. Mais nous, comme la flamme, ceci nous. Parce que où l'intérêt est, où il y a un collé. Il a fait ma commande, il est où nous sommes. Moi, je vous ai dit, vous et moi, là, on n'est pas les mêmes. Vous êtes venus ici, là. Vous êtes... Il y a beaucoup qui sont là, qui sont passés par Nicaragua, là. Vous voyez Damaro. Tout ce qu'on vous a dit, là, vous avez vu Damaro. Damaro est comment? Hein? Vous êtes venus, vous me voyez. Chaque jour. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas peur. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas peur. Je vais où je veux, ici, aux États-Unis. Je ne vais pas prendre mon billet, aller en Guinée, non, je suis garçon, non, 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 non. Si j'avais les moyens que eux, ils ont là, les armes là, wallah, je rentre. Les moyens qu'ils ont là, moi, je rentre. Des maudits comme ça, là, où ils sont en train de travailler. Oui, toi, le maudit là. Tu sais c'est quoi le travail? Des idiots comme vous, parce que vous ne voyez pas 19 200 personnes à la retraite. Parce que ça là, les 19 000 là, si eux ils sortaient aujourd'hui pour réclamer leur pension, vous les maudits là, vous n'allez plus parler. Vous les maudits là, des gens qui travaillent dans l'administration pendant des années, plus de 30 ans, des vauriens qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont pas leur niveau d'études, des vauriens viennent les mettre à la retraite. Sans mesure d'accompagnement. Parce que ça, c'est pas visible. Quand ils sont en train de travailler. Parce que toi, l'inconscient, toi, comme Mohamed Doukouré, là, tu ne sais même pas c'est quoi le programme gouvernemental. L'échangeur qu'on a transformé en pont, Paul Kagame, là, qui a fait la pose des pieds, c'est le président Alpha Condé. Idiot, là. Tu penses que tous ces projets-là, échangeur, là, c'est Doumbouya, hein? Vous pensez que si le président, si le pouvoir là était là, toutes ces dettes là, plus de 2 milliards, 2 milliards de dollars, on allait nous endetter? Non. Parce que l'accord cadre des 20 milliards, 20 ans, la Guinée n'allait jamais, même crédit 5 francs, on n'allait pas le faire. Voici pourquoi les gens étaient contre le président Alpha Condé. Allez-y, tapez. Vous allez voir le président Alpha Condé avec le président chinois. L'accord cadre des 20 milliards, chaque année, 1 milliard d'investissement. Déjà, l'affaire de l'électricité,
il y avait un grand avancé dedans. L'État allait faire des profits avec nos mines. Hein? L'État, mais aujourd'hui, les incapables de fourrier sont là, en train de compromettre l'avenir. Notre avenir et l'avenir de nos petits frères, l'avenir de nos enfants. Et on parle de ça, des maudits, quand ils sont en train de travailler. Quel boulot ils sont en train de faire? Ça pleure partout dans le pays. Nous sommes aujourd'hui le 19, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. 15 000 enseignants contractuels, idiots là, ils sont payés. Plus de 10 mois de salaire, ils ne sont pas payés. Inconscients. Le recrutement qu'ils ont parlé, ils ont pris combien de personnes? Bande d'inconscients que vous êtes. Ils ont le kilo d'ouvrir leur gueule quand ces gens-là sont en train de travailler. Konko Waton Molou Makosala. Campagne agricole, ils ont fait quoi? Comparativement à tous les pays voisins. Idiots là. Et puis près la boutoukini, djou la simou, ou ko, mou menou barre là. En critou, parce que Allah est à domina. N'est-ce pas en critou, yaï. Dire que la fra ko barre, palimenou ni, mou kunda menou ni, kouye barre là. N'est-ce pas mou fou yaï. Parce que Allah est à domina. D'agne ka djouri kongorobi. Combien de Guinéens aujourd'hui souffrent? Regardez-moi des idiots comme ça. Et n'y a kongo to mou makosala. Les transiteurs pleurent, les commerçants pleurent, les élèves pleurent. Et l'éducation est bafouée. Montrez-moi un secteur. Non, Diaby, il faut les répondre. Et quand on... Bafoula, on va misilaye, watido, la mbou. Misilaye, quoi. Allez, misibetaye, là. Ah, bon, allez, non. Mais vous-même, vous voyez que ça n'avance pas. Et vous continuez, quoi, vous allez, moi, m'amèbler. Toi maudit là, tu vas plus Koseko Bangura, toi tu vas plus voir le live là ici. C'est ça que je t'ai bloqué sur les autres pages là. Maudit là, c'est fini. Ça dit quand je dis abonnez-vous, c'est pas vous les maudits là. Quand je dis abonnez-vous, c'est les fidèles. Mais vous souffrez de. Vous me suivez partout, je viens encore, je vous bannis. Bande de maudits. Vous n'aimez pas Damaro, vous venez, vous le suivez. Je vous ai dit, suivez, c'est vous qui allez souffrir. Damaro, vous avez dit ici, Damaro, il n'a rien, hein. Moi, mes factures seulement de téléphone, c'est 300 et quelques. Mais chaque mois, il paye. L'assurance voiture, il paye. Il est toujours choco devant vous. Et vous souffrez. Vous ne voyez pas que vous souffrez. C'est-à-dire, moi, j'aime quand vous me souhaitez le malheur même. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a fini m'entendre heri nana. C'est-à-dire, tant que autant d'ormène, autant d'un non d'ifari. Autant d'un, ou à madame Rotofe Kiana. Ou à Tore, à ma kinikini, à Soweke. On dit les jaloux maigris, non. Damaro tant, Damaro n'a en forme toujours. En dénonçant Mantam Faride. Hein? Donc, merci à tout le monde. Merci à tous les patriotes. Ibrahima Khalil, merci à vous. Merci à Ansti Tigabari. Voilà. Djabi, MB Djabi, moi j'ai fini de dire l'essentiel. Merci à Sangare Abraham. Le combat continue. Ils sont combien? C'est là où vous devez même faire une prise de conscience. C'est-à-dire, quand vous partez dans les lives, vous êtes combien, vous qui dites soutenez Mamadi là? C'est-à-dire, c'est quand vous avez la majorité. D'ailleurs, si vous aviez la majorité, vous pouvez couper moi mon live. C'est-à-dire, Facebook, si vous avez la majorité là, pour vous signaler ce que je dis là, Facebook va couper. Mais vous êtes combien? Vous ne pouvez rien, rien du tout. Aujourd'hui, c'est 98% des Guinéens. Mécontent de ces bandits qui sont là. Kambrim Balou Sonou. Encore merci à tout le monde. Ibrahima Sori Kamara, merci à vous. Merci à tous les. Ok, attendez le maudit là, je vais le bannir parce que je sais que vous ne voulez pas que je me dispute. Voilà, je viens de le bannir, ne vous inquiétez pas, il ne verra plus ma page. MB Boularo, merci à vous. Kalou Sangare, merci à vous. Merci à Toumi Djabi, merci à vous. Sangare, Abraham, voilà, je sais que vous êtes Ibrahima Sori. Ceux qui sont sur ma page, ma Guinée d'abord, je vous ai dit de vous abonner sur le Général 5 étoiles. Vous pouvez être abonné sur les deux pages, ça va. Mais moi, je fais le live où je veux. Je peux faire sur 224, je peux faire sur ma Guinée d'abord. Donc, je vais avoir plusieurs pages, voilà, pour des raisons de sécurité, parce que ces voyous, ils sont prêts à tout aujourd'hui. Tcherno Sadou Diallo Barry, merci à vous. Et Ouma. Bon, à propos de comment on appelle, El Hadj Alseni, je vous ai dit,
il a tenu un bon discours. Moi, je ne doute pas de El Alsenia. Je ne doute pas du président de la coordination de Fouta Diallo. D'abord, il a appelé à l'unité. C'est un monsieur, j'ai un grand respect. Et je ne vais même pas dire mes sentiments personnels sur le monsieur. Mais je sais que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. El Hadj Alsenia. Je sais que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. S'il va le dire la vérité, c'est pas un poste gouvernemental qu'il occupe. C'est une coordination qu'il a nommée. Donc, il nous rappelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, à son âge, qu'est-ce que El Hadj Alsenia n'a pas dans sa vie? Si c'est l'argent, il a. Qu'est-ce que le CNRD peut donner à El Hadj Alsenia? Il a tout aujourd'hui. Mais ce sont... Vous voyez, quand je dis souvent, c'est nos sages qui font que les religieux, les coordinations qui font que ces gens-là font de n'importe quoi. Parce que quand un individu vient parler au nom de tout un groupe ou de toute une région, et ces gens-là se sentent confortables. Mais ceux qui ont écouté le discours du monsieur, il a été clair. Il n'a pas fait de démagogie. Il n'a pas fait de démagogie. Il a été, on l'a invité, c'est normal. Quand ça fait partie de la Guinée, il a répondu à l'appel. C'est vrai que même moi, j'ai dit c'est politisé. Mais je lui donne raison. Il a sa raison. S'il avait refusé, on allait le juger autrement. Je lui donne sa raison. Il s'est déplacé, il allait, on a écouté le discours qu'il a tenu. Un discours rassemblé. Il a même dit, si on lui laisse vraiment les autres, mais la vérité. C'est pourquoi je dis, je tire chapeau à Alsen Barry. Parce que lui ne va pas se laisser faire. À son âge, qu'est-ce qu'il veut dans cette vie? Même si aujourd'hui, ses enfants peuvent lui prendre en charge. On a besoin des sages qui osent dire la vérité. Des sages qui osent dire qu'ils ont peur de Dieu. Moi, c'est pourquoi je dis, je tire chapeau à El Hadj Alsenia Barry, le président de la coordination du Fouta Diallo. Je lui donne raison d'être parti à Cancan. Parce que s'il n'était pas parti, on allait interpréter ça autrement. Voilà. Donc, tout de suite, là, avec les brebis galeux, là, j'avais arrêté de parler de lui. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai suivi son discours et je suis fier de ce qu'il a dit. Et si on avait des gens comme ça, nombreux, je crois que ces gens-là, le fait même de penser pour dire que non, ils vont endormir tout le monde, ils vont se maintenir. Wallah, ils allaient même changer d'avis. Mais c'est parce que Nafigi, il y a des religieux, comme celui de Tafouri, à Kindia, là, qui va raconter des salades. L'imam, Kono, Mengea, Alanara, Marana Falaoube, Febiri, Alanara. Mais Naga Moussaber Al-Quran a cru, Obamegui est trompé, fait endormir les consciences pour dire que non, Oranana Figiaoué, mais que Kobe nous fait Kobe Rabba. Allah, Al-Quran a cru, qu'on de faire du bien. Et ma fala, et Ragna Rabba. Sinon, Allah, Mounou, et Mounou, Fraouna Guérima. Le pharaon là, on n'allait pas le combattre. Parce que autant, non dit, Oa Tomane. Mais ce qui arrange ces bandits là, Onanan Falama Mégué. Parce qu'il y a tellement d'illettrés. Mais je vous ai dit, me remousse à l'école. Naramunaki aura fala ko haklima ira. Dieu, faculté morale na birinira. L'eau et le feu birin à différence colon. Borignon, amunyaron, birin à colon. Même nos mamans aujourd'hui, vous partez, vous les demandez, elles vont dire ah, président Alpha Condé attend. C'est ce qu'on dit. Pourquoi les gens le disent? C'est le savoir-faire. Pourquoi les gens disent, ah non, malgré tout, oui, on a combattu le président Fakon, le troisième mandat. Mais la vie des Guinéens n'était pas aussi misérable que ce que nous sommes en train de voir. Parce que nous avons et Fata, et Harangue, l'ONI Neira, et non ma femme de Fouteta, un contrat et deux crochets, et Harangue, docteur Nanira. Et nous devons, et nous Fouteta Guy. Ce n'est pas des complexés. Ils savent ce qu'ils veulent. Mais des vauriens comme les Amara qui vont faire des tournées, les Djiba, des vauriens comme ça, des anciens rappeurs comme ça, Nenan Sigama, pour piloter l'affaire de Simandou. Depuis enfin, 3 ans, le projet qui était en cours avant le coup d'État, ils ont bloqué. Maintenant, tout est bloqué. Les Chinois ne veulent rien donner.
400 millions, 500 millions. Les Chinois, c'est des maudits. Ils vont prendre cet argent pour dépenser encore. Il n'y a pas de garantie. Avec ce pouvoir perdu là. Donc, Alim Riona raconte Diema. Il fallait faire changement Yoraba. Changement Yomuraba. Donc, je suis de cœur avec tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée. Et je vais juste dire à certains. Moi, je ne vais pas revenir dans l'affaire de Hadji là. Mais si vous me poussez, si je sors, je vous dis, hein, moi je préviens. Hadji, il est sorti. Il a remercié tout le monde. Vous ne saviez pas. Moi, ce que je dis en privé avec quelqu'un, quand sa femme m'a appelé, je ne vais pas vous dire ici. Ceux qui m'ont demandé, j'ai fait pour eux. Mais si certains me poussent à parler, moi je vous ai dit, hein, moi quand quelqu'un vient me parler là, je ne vois pas de preuves, je ne parle pas. Si vous voulez me pousser à vous contredire, je peux le faire. Hein. Nous sommes tous du même côté, du même bord. Moi je ne suis pas là à clasher. Je peux venir parler de futilité, mais rien n'est à ma tourmane. Ok? Je ne cherche pas clash avec quelqu'un. Moi, il y a des gens qui parlent de moi, je ne parle même pas d'eux parce que ça ne m'intéresse même pas. Voilà. Donc, c'est à vous de conseiller Hadji. Hein? Moi, j'ai dit, on va faire le même combat. Mais il y a des choses là, moi, je ne rentre plus dedans. Mais si vous voulez, certains qui veulent me pousser là, le jour que je vais sortir, vous allez regretter. Je ne vais pas réfléchir. Je ne vais pas réfléchir. C'est juste un avertissement. J'ai dit que moi, il n'y a rien. Je ne dors pas avec la haine pour Hadji. Mais vous voulez me pousser à aller au bout. M'fanfamane avec des preuves devant vous tous. M'fanfamane avec des preuves. Parce que moi, je suis un maudit. Je vais venir accuser quelqu'un. Moi, quand quelqu'un me parle, il faut que tu me prouves d'abord. Il faut que j'ai des preuves. Donc, au calme, go. Continuons le combat. Mettons ça derrière. Mais on a fallu moi de venir ici. Si je sors contre lui, qu'est-ce que je gagne dedans? Parce que mon ennemi, faut y aller. Damaronou a dit il a clash. Qu'est-ce que moi je gagne dans ça? Non, moi j'ai pas ça. Hein. C'est autant ma fafé go. C'est pourquoi je vous dis de faire beaucoup attention. Sinon mon retour c'est pas bon pour vous. Si vous voulez vous concentrer aujourd'hui de ce qui se passe, le pays, faites-le. Hein? Mais si vous me poussez jusqu'au bout, moi je n'ai rien à perdre. Parce que ça ne me concerne même pas. Je n'ai rien à perdre, c'est pas moi. Si je ne le protège pas, je ne vais pas chercher à le détruire. Voilà. Donc calmez-vous, ressaisissez-vous, concentrez-vous sur l'essentiel. Même un faux marabout qui va dire là-bas que non, on va faire des trucs comme ça. Là. Même tous les faux marabouts là vont venir s'asseoir que non. Et bara wali raba, et bara to, et na griffé. Même les faux marabouts vont venir dire que non, ils ont fait quelque chose. Pourtant, il n'y a rien. Parce que vous ne voulez pas réfléchir. Mais nous avons tagué son nom avec des futilités. Si je sors, c'est ce que vous voulez. Vous allez voir sur les mots. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Parce que quand je dis Mugyo Nuntage, ça ne veut pas dire que les imbéciles de Doumbouya, ils vont venir, vous allez me taguer. Peut-être que je vais voir. Vous avez partagé 20 vidéos de Hadji. Parce que Hakli Tarina Naura. Parce que Ntobara Nafala Yakos, ira communiquer bidon. Ils vont essayer de taguer Damaro. Non. Partagez 20 fois les vidéos de Hadji sur vos pages. Là, je saurai que vous êtes un fan de Hadji. Donc, c'est ça mon message. Moi, je ne vais pas faire de vidéo là-dessus pour venir explication, non. Mais je vous donne juste cet avertissement. Voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde.